Bien-aimé, tu vas acclamer le Seigneur pour le groupe musical. Je voulais que tous on se tienne debout. On va faire une prière. On va prier pour la vie de notre maman. Et je voudrais nous donner à nous tous conseil. Qu'on ne soit pas sujet de tristesse de papa ni de maman. Maman est triste, peut-être que vous n'avez pas remarqué. Depuis le matin, elle est triste. C'est à cause de notre comportement. Alléluia. On va demander au Seigneur de la restaurer et de lui redonner sa joie. Mais vous savez, sa joie ne sera parfaite que lorsqu'on va lui annoncer des bonnes nouvelles nous concernant. Amen. Prions pour la vie de notre maman. Père, nous voulons te rendre grâce, te dire merci. Cette tristesse dans le cœur de ta servante, c'est à cause de nous, ses enfants. Pas tous, mais c'est chaque jour. Elle a en peine pour nous. Désirant nous voir grandir, désirant nous voir porter des fruits pour attester le ministère. Aujourd'hui, elle est triste, toi seul sais. Je voudrais, Seigneur, que tu la restaures et que tu penses ce cœur meurtri afin qu'elle retrouve la joie. Oui, la joie de te servir. Nous voulons te dire merci dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Maman, reçois la joie de la servante de Dieu que tu es. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Je lis la parole de Dieu. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Père, je voulais te dire merci. Ta parole est certaine. Elle est vie, elle est esprit. Et c'est elle qui nous donne vie. C'est elle qui nous donne ton esprit pour marcher avec toi et sous tes instructions. Voici, il est l'heure. Efface ma personne et que ton esprit vienne parler à tes enfants. Je voulais te dire merci encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Jésus était avec ses disciples. Amen. Et à un certain moment de leur marche, il a voulu se révéler à eux. Amen. Et il leur pose cette question. Bon, depuis que je suis avec vous, depuis que nous marchons ensemble et que je travaille devant vous, qu'est-ce que, quand vous rentrez chez vous à la maison, qu'est-ce que les gens disent de moi? Amen.
Et ses disciples, au regard de ce qui lui revenait, ils disent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, alors que Jésus est plus vieux que Jean-Baptiste dans la chair. Amen. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Ésaïe. Les autres disent que tu es Jérémie. Et dit, bon, ça c'est eux. Mais vous-même avec qui je marche là, que dites-vous que je suis? Alléluia. Bien-aimé, il est important que tu saches avec qui tu marches. Amen. Il est très important que tu saches avec qui tu marches, que tu connaisses la personne avec qui tu marches. Sinon, vous ne pouvez pas être en accord. Amen. Évidemment, si tu marches avec quelqu'un qui cherche beaucoup de femmes, si vous réussissez à vous entendre, c'est que toi aussi tu cherches beaucoup de femmes. Si tu marches avec un voleur, c'est que toi aussi tu es un voleur. Amen. Et Jésus leur demande, mais vous, que dites-vous que je suis? Le premier qui ouvre la bouche et dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et la suite, Jésus dit quoi? Ça là, ce n'est pas ta connaissance naturelle qui t'a révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus n'était pas encore Christ pour tout le monde, parce que c'était Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Mais regardez, il révèle la nature spirituelle de Jésus. Il dit, tu es Christ. Amen. Comment et pourquoi Pierre a eu cette révélation? Alléluia. La rencontre de Pierre avec Jésus a été une rencontre spéciale. Amen. La Bible dit que Jésus est arrivé en un endroit. Il était en train de prêcher. C'était au bord du lac de Génazareth. Amen. Et à cause de la pression du public qui écoutait, il était obligé de se mettre au large. Donc, il a utilisé la bague de pierre. Amen. Et quand il a fini d'utiliser la bague de pierre, il dit, bon, comme tu m'as prêté ta bague, je vais faire quelque chose dans ta vie. Tu es rentré bredouille, mais allons-y en mer. Le même jour où Pierre a rencontré Jésus, Pierre a compris quelque chose. Ce n'est pas comme nous. On rencontre Jésus par le miracle des guérisons, par la délivrance qu'il nous accorde avant que nous arrivions ici et que nous venons croire que c'est un homme qui nous délivre. Mais on l'acclame, on le chante, on le célèbre selon nos circonstances. Amen. Pierre a été marqué. Et quand il a fait cette pêche miraculeuse, il a dit au Seigneur, il avait déjà connu sa nature divine. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi. Pourquoi? Ils ne sont pas dans la même dimension. Amen. Pierre a regardé sa nature et il a vu la nature spirituelle de Jésus. Ils ne sont pas de la même dimension. Et depuis ce jour, devant Pierre, Jésus a eu conversation avec la femme cananéenne. Devant Pierre, Jésus a fabriqué les yeux de l'aveugle de naissance. Il l'a placé. Pierre a compris que ce n'est pas un homme ordinaire. Il n'a pas été comme Judas. Lui, il va, il vient. Quand il rentre à la maison, il oublie qui est Jésus. Au point où il s'est permis de vendre Jésus. Amen. Et donc, Pierre avait la parole en lui. Bien aimé, la Bible dit que trois choses sont en accord parfait. C'est quoi? L'eau, le sang et l'esprit. Il n'y avait pas encore l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Mais Pierre avait déjà reçu la parole de Dieu. Dieu pouvait se révéler à lui.
les autres n'étaient pas encore aguerris. Et quand Pierre reçoit cette puissante révélation et qu'il la livre, il ne l'a pas livrée pour le Seigneur Jésus, il l'a livrée pour ses autres collègues. Puisque Jésus, lui, savait qui il était. Jésus va alors dire, comme depuis tu reçois et tu gardes ma parole, tu es apte. Sur toi, je vais bâtir mon église. Et voici le premier aspect fondamental de l'église de Jésus-Christ. Il dit, toutes les œuvres de Satan ne pourront pas t'atteindre. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que toute chose sur la terre va passer. Toutes les choses passeront. La terre va disparaître. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va subsister? La parole de Dieu. Il est important, bien-aimé, que tu retiennes la parole que tu reçois. Tant que tu ne retiens pas la parole, l'esprit de la parole et la vie qui est dans cette parole ne peuvent pas s'attacher à toi. Et ta vie ne peut pas changer. Alléluia. Pierre n'est plus là. Pierre est passé. Amen. Selon la parole de Dieu, il est passé. Comme je vais passer, comme nous allons passer. Et dans 100 ans, quand on va lire cette parole de l'Écriture, on ne la lit pas pour Pierre. Amen. Cette parole que nous avons lue aujourd'hui s'adresse à toi, ça s'adresse à moi, s'adresse à nous tous qui aujourd'hui formons le corps de Christ. Toutes les églises. Je voulais te dire, bien-aimé, tu es Pierre. J'attends que tu reçoives ça. Pierre est passé. Mais la parole que nous avons lue aujourd'hui, là, c'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour ça que je proclame que tu es Pierre. Je proclame que tu es l'église de Christ. Et que le séjour des morts ne pourvaudront pas sur toi. Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, tu es dominateur de ta nature. Tu es dominateur de ton environnement. Voici ce que dit la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Mais pourquoi Satan a encore une influence sur la vie d'un chrétien? Le pasteur a prêché comme si on savait de quoi on allait parler. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez-moi toutes choses. Alléluia. Tu ne peux pas un jour, un mois, une année, demeurer avec Christ. Et puis tu prends des vacances dans tes relations avec Christ. Il faut me dire, pasteur, ça veut dire quoi? Pasteur, c'est-à-dire tous les jours, tu marches avec Christ. Et puis un jour, tu dis vraiment Christ, ça, il y a longtemps, dessus, on ne voit rien. J'allais voir le marabout là, pour lui, c'est chap-chap. Après, j'ai revenu à Christ. Bien-aimé, tu as pris vacances. Alléluia. Il ne demeure plus en toi. Pourquoi aujourd'hui? Pardon, les thèmes? Je n'ai pas donné les thèmes. Hein. L'église est toujours triomphante. Ou bien, si tu veux, tu es toujours triomphante si tu acceptes d'être Pierre. Parce que quand on envoie une parole que tu ne reçois pas, l'esprit de cette parole ne te concerne pas. Donc, comme je disais, Pierre n'est plus là, mais aujourd'hui tu es Pierre. Aujourd'hui, c'est sur toi que le Seigneur veut bâtir son église. Et si tu acceptes que le Seigneur bâtisse son église sur toi, alors tu seras toujours triomphant à l'image de l'église de Christ. Ceci pour dire quoi? Depuis que Jésus est monté, amen, il a laissé son église aux apôtres. Depuis le jour où les apôtres ont commencé à annoncer l'évangile, ils ont eu des oppositions. Ils ont eu des épreuves. Amen. Mais l'église primitive est devenue aujourd'hui l'église mondiale.
Pourquoi? Parce qu'ils ont triomphé. Il n'a pas dit qu'il n'aura pas d'opposition. Il n'a pas dit que les rois vont les écouter. Il n'a pas dit que le peuple va les rouler le tapis vert ou le tapis rouge pour qu'ils marchent. Mais il a dit, les portes du séjour des morts ne vont pas dominer sur lui son église. Je voulais te dire, aujourd'hui, des nations ou des personnes, ici intéressant, hein? Alléluia, ça s'ouvre très bien ici. Il dit, des nations ou des personnes ne peuvent pas s'opposer à l'église. Quand vous voyez aujourd'hui en Corée du Nord, vous voyez au Pakistan, en Chine, on dit on n'annonce pas l'évangile. Je suis d'accord. Ceux qui y vont, on va les tuer. Bien-aimés, il y a deux cas. Jésus n'a pas ses intérêts encore en Corée du Nord. Sinon, la Corée du Sud, c'est l'église de Dieu. Et elle est très prospère. Mais la Corée du Nord prospère dans le mal. Si tu vas là-bas, que le petit là t'a attrapé, va couper ta tête. Pourquoi? Parce que Jésus ne t'a pas envoyé là-bas. Mais en Indonésie, on ne parle pas de Jésus là-bas. C'est lui qui a créé l'Indonésie. Mais est-ce qu'il t'a envoyé en Indonésie? Tu vas là-bas, les musulmans vont couper ta tête. Sinon, je connais des pays islamiques. L'Égypte, il y a l'église là-bas. Aujourd'hui, l'Algérie est en train de connaître de façon puissante l'évangile de Jésus-Christ. Parce que Jésus a envoyé ses serviteurs là-bas. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui des gens réussissent à lutter contre toi? Parce que tu es chrétien. Mais c'est parce que tu n'es pas affermi. Amen. Si tu es affermi, regardez, pendant que les gens s'opposaient à l'église, quand vous prenez Actes chapitre 4, la Bible dit, après que Pierre et Jean ont guéri un paralytique dans Actes 3, le Sanhédrin les a réunis pour leur demander des comptes. Pierre ne s'est pas excusé. Ils les ont jetés en prison. Le Saint-Esprit les a fait sortir. Quand on les retrouve, ils sont en train de prêcher. Il dit, mais on ne vous a pas demandé de ne pas parler en ce nom-là. Pierre dit quoi? Jugez-en vous-même. S'il est bon d'obéir à un homme, un mortel, comme vous, ou bien s'il est bon d'obéir à Dieu. Et Pierre a commencé son œuvre. Il a continué son œuvre. Mais aujourd'hui, mon patron dit, si je ne cesse pas mon affaire d'église, il ne faut pas aller prier dans son bureau, sinon il va m'y renvoyer. Tu ne portes pas la hache de l'Éternel en toi. Sinon, il ne peut pas te toucher. Regardez, la représentation physique du Saint-Esprit. La Bible dit, la hache était sur un char. Les sacrificateurs qui marchaient à côté. Amen. Dont un certain Uzza. Quand la hache, le char commençait à tanguer comme ça, il a touché pour ne pas que ça tombe. Mais il y avait une interdiction, on ne touche pas la hache de l'Éternel avec sa main. Il est mort sur le champ. Toi, tu es la hache de l'Éternel. Et puis, ton patron veut coucher avec toi. Ton patron veut que tu changes de religion. Et puis, tu peurs. Tu sais pourquoi? J'ai dit, tu peurs. Tu as peur. Tu sais pourquoi? Parce que la hache de l'Éternel n'est pas en toi. Sinon, il ne peut pas avoir le courage de te donner rendez-vous à l'hôtel. Il ne peut pas avoir le courage de mettre ton nom sur la liste des licenciés. Il va taper. Au moment de la signature, il va dire, non, barrez-moi ce nom-là. Ils vont refaire la liste. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux ovationner le Seigneur notre Dieu? Je voudrais que tu retiennes que personne, ni rien, ne peut t'empêcher réellement, si tu es engagé pour Christ, de faire son œuvre. Personne. Le problème, c'est notre engagement. Non, mon papa dit, il ne faut pas y venir à l'église. Je suis d'accord. Mais quand ton papa et ta maman te disent ne pas chercher garçon, est-ce que tu ne cherches pas?
C'est la même interdiction au même niveau. Papa dit, il ne faut pas que tu ailles chercher femme. Mais tu as petite copine en classe. Bon, on laisse ça. Dieu dit, il ne faut pas voler. C'est ça, non? Dans toutes les religions, sauf un peuple chez les Burkinabés, là, chez eux, vol, là, c'est un acte de bravoure. Au point où ils volent femme. Ça dit, tu vois le vieux AS à Freshini. Tu t'entends avec elle et puis un soir, vous disparaissez. Mais sinon, à part ça, tous les peuples savent que le vol, c'est un péché. Amen. Que ce n'est pas bon. Le chrétien sait que ce n'est pas bon. Le musulman sait que ce n'est pas bon de voler. Mais tu voles. C'est une interdiction, mais tu vas commettre. Mais pourquoi quelqu'un va te dire, ne va pas à l'église et puis tu acceptes? Ce n'est pas l'interdiction du Père qui fait que tu ne viens pas. Mais c'est parce que tu as résolu en ton cœur de ne pas aller à l'église. Ce n'est pas l'interdiction de la parole qui fait que tu ne voles pas. Quand tu vas voler, tu enfreins l'interdiction de la parole. Mais pourquoi tu ne peux pas enfreindre à l'interdiction de ton père ou de ta mère en ce qui concerne ta relation avec Christ? C'est parce que tu n'es pas encore engagé. Alléluia. Bien-aimés, engageons-nous avec Christ, afin que lui également s'engage avec nous. Amen. On va prendre Actes. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres, les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Alléluia. On va s'arrêter là d'abord, sinon on doit aller jusqu'au verset 39. Alléluia. Regardez. Dieu a donné aux apôtres d'annoncer l'évangile à Jérusalem, dans tout Israël, dans la Judée, et il a dit jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et quand les choses ont commencé, malgré que les apôtres subissaient des oppositions, ils ont été jetés en prison. Et comme c'est Dieu qui les a envoyés, amen, la Bible dit, de la prison, un ange les a fait sortir. Et quand l'ange les fait sortir, voici ce qu'il leur dit. Allez-y dans le temple, demain matin, allez-y annoncer l'évangile. Quand Dieu t'envoie, il t'accompagne dans ta mission. Amen. Le chrétien, quand Dieu l'envoie, Dieu le choisit, Dieu met sa parole dans sa bouche. Dès la première chicote, dès la première frustration, dès la première opposition, il abandonne. Ils sont sortis de prison avec instruction de l'ange. Allez-y dans le temple, annoncer les paroles de cette vie au peuple. Pierre n'a pas dit, le souverain sacrificateur va venir m'attraper encore. Mais Pierre sait qui l'a fait sortir de prison. Donc il obéit à la parole de qui l'a fait sortir de prison. Ils se sont retrouvés dans le temple. Ils ont continué à annoncer l'évangile. La mission de Pierre et de Paul pouvait prendre fin si dès cet instant, ils abandonnaient.
Alléluia. Mais je voulais te dire, de la même façon, l'Église primitive a rencontré des oppositions que nous appelons des épreuves et non des difficultés. L'Église primitive est restée en connexion avec le Saint-Esprit et ils ont avancé jusqu'à ce que nous ayons l'Évangile aujourd'hui. J'ai dit, toi, tu es Pierre, non? Dieu a bâti son Église sur toi. Je voulais t'exhorter ce matin, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les épreuves que tu vois, avance avec Christ. N'abandonne pas. Parce que à chaque étape, il sera là avec toi. Mais dès que tu abandonnes, lui aussi, il t'abandonne. Parce que ce Dieu-là, il ne force personne. Il veut faire de toi archibishop. Il veut faire de toi une femme distinguée. Il veut faire de toi un homme distingué, un puissant évangéliste. Mais si tu t'arrêtes, il s'arrête avec toi. Si tu abandonnes, il te quitte. Tu n'es pas le seul. Pierre avait reçu cette onction royale. Il était le fondement de l'Église primitive. Pierre a disparu. Aujourd'hui, sois le fondement de l'Église de ta famille. Sois le fondement de l'Église de ton village. C'est à cela que nous sommes appelés. Chacun de nous est un relais de l'Évangile, avec pour caractère évangéliste. Non, pasteur, c'est le pasteur qui évangélise. Mon ami, tu es évangéliste. L'évangéliste, c'est qui? C'est ceux qui rendent témoignage de la vie de Jésus-Christ en lui. Les femmes là, qui sont allées regarder au tombeau, elles sont venues annoncer la résurrection de Jésus. Elles ont évangélisé. C'est quand elles ont annoncé que tout le monde est allé regarder. Et quand ils ont regardé, ils se sont rendus compte que réellement ce que Jésus avait dit venait de s'accomplir. Même quand il y avait le doute dans le peuple. Mais un grand nombre a cru. Après, avec l'œuvre des apôtres, beaucoup ont cru. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous on reçoive ça et que nous aussi on croit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Ok. Verset 22. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvaient point dans la prison. Ils s'en retournaient et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant la porte. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu cela, selon ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vient leur dire, « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors, le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres leur répondirent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit,
Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Alors, après lui, parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle disparaîtra. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourriez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Il se rangeait à son avis et, ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis, quand le Seigneur t'envoie, il met la confusion dans le camp de tes adversaires. Alléluia. Si tu demeures fidèle. Alléluia. La Bible dit, après qu'on les ait retrouvés dans le temple en train de prêcher, ils les ont ramenés dans le Sanhédrin. À l'époque, le Sanhédrin, c'était la haute cour de justice. Amen. Et ils décident de leur sort. Quand un certain Gamaliel leur dit, hey, faites attention. Lui, il était docteur de la loi. Il avait toutes les prophéties en sa possession. Et puis, il a vécu des événements. Ceux qui se réclamaient de Christ, qui ne l'étaient pas, qui ont bavardé, qui ont disparu. Il leur a dit, regardez. Il ne voulait pas se rallier à leur parti, il avait peur. Mais il leur a dit, hé, les faux évangélisent ça, ils disparaissent. Mais les vrais, il faut faire attention à eux. Alléluia. Il leur a donné les exemples et il leur donne le conseil. Ne courez pas le risque de combattre Dieu. Bien-aimé, très bonne nouvelle pour toi. Très bonne nouvelle pour toi. Très bonne nouvelle pour toi. Si réellement le Saint-Esprit en toi, personne ne peut te combattre. Ils vont essayer, mais ils ne pourront pas te vaincre. Le Saint-Esprit va utiliser quelqu'un du milieu d'eux pour les confondre, comme il a utilisé Gamaliel. Alléluia. Paul, notre père à tous, il était pharisien, grand persécuteur de l'Église. Il s'est ligué contre l'Église et il partait à Jérusalem pour prendre tous ceux qui parlaient de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes les fils spirituels de Paul. Tu sais pourquoi? Quand Christ s'est révélé à lui, il lui a demandé, Saul, Saul de Tarse, n'a pas dit pourquoi tu persécutes mes enfants. Il dit pourquoi tu me persécutes. C'est pour te dire, celui qui s'attaque à toi, si réellement tu es la pierre de Christ, celui qui s'attaque à toi, si réellement son esprit est en toi, à cause de son esprit, il va te défendre. À cause de son esprit, il va confondre celui qui s'attaque à toi. Et Christ, il dit à Pierre, il te sera difficile de m'échapper. Personne, ni rien ne peut échapper à Christ. Personne. Il te sera difficile de régimer. Il te sera difficile de m'échapper. Et Pierre, qui était engagé pour combattre l'Église, a été engagé pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et il a été l'un des plus puissants, sinon le plus puissant apôtre. Paul.
De la même façon, les gens ont résolu de te nuire. C'est de cette même façon que le Seigneur va les utiliser pour t'élever. C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a continué l'œuvre. Pierre a continué l'œuvre. Mais pourquoi et comment le Seigneur va voir, va te soutenir? Si toi tu t'arrêtes, et tu n'as plus d'intérêt pour lui. Si Christ aujourd'hui n'est pas en Indonésie, mais il n'a pas d'intérêt là-bas. Si Christ n'est pas en Corée du Nord, il n'a en Corée, ouais, c'est ça, du Nord, il n'a pas son intérêt là-bas. Christ est en toi. L'espérance de la gloire, c'est ça? Mais à la condition que tu demeures en lui et que tu ne faiblis pas dans l'épreuve. C'est aussi ça le plus important. Malgré les oppositions, l'Église a avancé. Nous devons avancer avec Christ. Et pour cela, nous devons être fermes. La fermeté, c'est quoi? Si tu es malade aujourd'hui, c'est de croire que Jésus va te guérir. La fermeté, c'est quoi? C'est de croire et d'accepter que l'épreuve dans laquelle tu es là, c'est difficile à tes yeux. Ça, c'est devant les yeux humains. Mais avec Christ, nous ferons des exploits. C'est ton exploit qui est devant toi que tu appelles épreuve. C'est ton exploit. Il faut embarquer avec Christ et gravir la montagne. Devant, il y a une pente. Tu vas descendre. Avec ta propre force, c'est sûr que l'échec est assuré. Parce que ce que tu peux faire, Dieu n'intervient pas. Dieu intervient lorsque tu es fatigué. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Bien aimé, si tu n'es pas fatigué, ce qu'on raconte, ce qu'on parle, ce que la prédication de ce jour, ça ne te concerne pas. Parce que tu n'es pas fatigué, tu n'es pas chargé. Moi, avant, tu connais la Sorbonne au plateau. C'était un espace d'échange, c'est ça? Il y a les mystiques, il y a leur côté. Il y a à côté de Jésus à part. Il y a à côté des vendeurs de médicaments. Et puis, il y avait le côté des les bavards, là. Comment ils appellent? Les parlementaires du temps du FPI. C'est des bavards. Alléluia. J'étais parmi ceux qui démontraient que Christ n'existe pas. Amen. Avec les gens d'une secte qu'on appelle prima verba. Je n'ai pas expérimenté leurs choses. Hein, parce que moi-même, je ne croyais pas. C'est-à-dire, on prépare ton esprit, on casse bouteille, on met la tension de bouteille. On prépare ton esprit et puis on met sur 10 mètres, on fait un feu, on étend les braises. On dit, si tu as la divine, bon, je ne vais pas vous montrer ces bêtises-là. Mais si tu crois en ce qu'on t'enseigne, tu vas marcher sur les tensions de bouteilles sans traverser, ça ne va pas te blesser. Tu vas marcher, tu vas courir dans les braises, tu ne seras pas brûlé. Et les gens partaient dans leur cérémonie initiatique, ils partaient faire ça. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Jésus. J'ai écouté, je n'ai pas pratiqué. Aujourd'hui, moi, je suis bête pour Christ. Quand il y a les situations, c'est ma grande sœur. Non, la foi que tu as là, toi tu es pasteur. Et dis grande sœur, avec Christ on grandit. Moi j'ai dit que Jésus-Christ n'existait pas. Toi tu t'es permis, tu as tout pris ton temps pour m'expliquer qui est Jésus-Christ. Maintenant le temps est arrivé, Jésus m'appelle. Et puis moi ma foi vient te dépasser ta foi. Mais toi ta foi était basée sur quoi? D'après papa, si tu crois et puis ça n'a pas marché, tu ne perds rien. Ou bien, mais avec Jésus, ça marche toujours. Aujourd'hui, tu es l'Église de Christ. Ce que les apôtres ont fait, tu es le relayeur de l'Évangile des apôtres. Et si tu acceptes, et dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont imposer les malades, les mains aux malades. Ces miracles ne sont pas finis.
Les miracles ne sont pas morts avec les apôtres. Amen. Mais le miracle ne peut arriver que dans la vie de celui qui croit au miracle. Amen. Quand il prie pour quelqu'un, il a attaqué la soeur là. Et puis il te dit qu'il n'a rien eu. Mais c'est parce qu'il ne croit pas. C'est parce qu'il ne croit pas. Évidemment, moi, ça dit que je ne me trompe pas. Quand il y a des fois, on se réunit et puis on essaie de voir les comportements des uns et des autres à l'église, j'ai toujours dit à mes collègues, regardez, le jour où le Seigneur va t'envoyer en mission, Korogo, Daloa, Boaké, Ferke, tu arrives et puis tu commences ton œuvre là. Le Seigneur t'a envoyé, non. Il est avec toi. Ce que tu vas recueillir là-bas comme fidèle, ils vont te considérer comme leur Dieu. De toute façon, nous, on considère papa comme un Dieu. Je ne dis pas comme Dieu. On le considère en fonction de l'esprit qui est en lui. C'est comme ça que les autres vont te considérer. Pourquoi? Ils ne t'ont pas vu grandir. Il y a beaucoup de fidèles qui nous regardent comme ils nous regardaient à Nmambou là-bas. Où l'apôtre Abraham vient matin et dit, vous là, Dieu ne vous a pas parlé. Bon, à qui Dieu dit de diriger? Moi, Dieu ne m'a pas dit de diriger. Et puis toi, tu viens me dire que Dieu dit de diriger. Mais on était en formation. Vous comprenez? Mais de la formation à la consécration. De la consécration à l'exercice. Si tu me vois encore comme un Mambo, je vais prier pour toi, tu ne seras jamais guéri. Mais si tu me vois comme fils du grand maître qui est ici, fils du prophète Samuel, devenu docteur de la parole, si tu me vois comme son fils et que tu penses qu'aujourd'hui il n'est pas là, mais il a légué l'esprit de prédication, si je viens t'imposer les mains, tu vas guérir. Avant qu'on prenne le micro, on titubait, non? On bégayait. Et puis on bavardait, on criait. Mais aujourd'hui, là, quand on prend le micro, là, vos oreilles sont comme ça. Mais je vois ça. Je n'ai pas dit que tu as de longues oreilles. Et tes oreilles sont attentives à ce que je presse. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Pour dire que chaque jour, nous devons parfaire notre vie devant notre Christ. C'est tout ce qu'il attend de nous. Il n'a pas dit que nous sommes forts. Non, mais il est fort en nous. Chaque jour, tu dois te rapprocher de lui. Et lui, il se rapprochera de toi. Alléluia. Et puis, cessons de nous jouer les dangereux. Regardez, les gens qui vont mettre baf au carrefour et puis prêchent. Carrefour, c'est ça? Lieu de rencontre et d'échange. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui s'assoit là. Nous sommes tous de passage, 9 kilos. Et puis tu bavardes jusqu'à quand tu transpires. Tu rentres à la maison, tu n'as pas lu, tu annonces l'évangile à qui? Non, Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Le désert de Jean-Baptiste, c'était les cœurs endurcis des Israéliens. Sinon, prêcher, c'est annoncer l'évangile. Tu ne peux pas aller te placer dans le sable là-bas et puis tu vas bavarder. C'est pour les magouillards ou bien les serpents brûlants. C'était les cœurs endurcis que la Bible a appelé désert. Alléluia. Et regardez la fin, 42-41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été dignes de subir des outrages pour le nom de, ça veut dire, si tu as de la sagesse, lorsqu'on t'opprime, lorsqu'on te blâme pour Jésus-Christ, tu dois chanter ses merveilles, tu dois danser en ce nom-là. Les apôtres, on les a jetés en prison.
L'ange les a fait sortir. On est venu les reprendre. On les a jetés encore en prison. On les juge. Quand bien même Gamaliel a dit, faites attention. Mais le païen ne fait pas attention aux chrétiens. C'est nous qui faisons attention aux païens. Ils les ont botés. Maintenant, eux, chrétiens, disciples de Jésus, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont dansé, ils ont chanté parce qu'ils ont été, ils ont eu part aux souffrances de Christ. C'est nous, devant l'épreuve, on fuit. Et même quand tu ne peux pas fuir, que tu es dans l'épreuve, tu murmures. Quand les apôtres sont sortis, le Seigneur a continué d'être avec eux. Il a continué à les utiliser. Et dans un passage, il dit, les apôtres étaient dans une terrible épreuve. La Bible dit, ils ont prié, ils ont dit, c'est toi qui nous as demandé de parler en ce nom. Quand bien même le peuple ne croit pas, mais c'est toi qui as donné ce Jésus. Aujourd'hui, il nous revient de parler de ce Jésus. Malgré qu'on ait frappé, mais nous bénissons ton saint nom. La Bible dit, quand ils ont prié, ils ont commencé à chanter. La terre sur laquelle ils étaient, la terre a tremblé. Alléluia. Maintenant, je vais te dire, si tu penses que tu es dans une épreuve, quand Dieu envoie quelqu'un, quand Dieu te choisit, quand Dieu t'envoie en mission, il est avec toi. Regardez, on lit souvent sans faire attention. Exode chapitre, Exode, le début d'Exode. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, sur le mont Sinaï, quand Dieu a choisi Moïse, Moïse n'a pas accepté. Hein? Il n'a pas accepté. Non, je suis le plus petit. C'est pas ça, ça c'est Gédéon. Non, j'ai la langue lourde. C'est ça? Il dit, j'ai la langue lourde. Tu sais, toi, c'est toi qui m'as créé, tu sais que je suis bègue. Je ne peux pas parler. Tout ça, il bavardait. Pourquoi? Parce qu'il avait la conscience du péché de l'Égypte là. Il ne voulait pas retourner. Pourquoi on a eu tué, on a eu frappé? Mais Dieu t'a envoyé. Au dernier moment, le Seigneur dit, c'est bien. Comme tu ne veux pas parler, je prends ton frère Aaron pour parler. Mais au chapitre 7, Dieu a compris le problème de Moïse. Il a vu son handicap, ce n'est pas le parler, mais son handicap, c'était la crainte de Pharaon. Il dit, bon, que veut dire Pharaon? C'est Dieu soleil. Vous ne savez pas ça depuis? Pharaon, son nom, ça veut dire Dieu soleil. C'est pour ça en Égypte, personne, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont plus dans la monarchie. Ils sont maintenant dans la république présidentielle. Sinon, jusqu'au temps du dernier Pharaon, personne ne regardait Pharaon dans les yeux. Quand Pharaon paraît, tout le monde baisse la tête. Ou bien il se couche par terre. Parce qu'il s'appelait Dieu soleil. Amen. Quand le Seigneur a vu où se trouvait le problème de Moïse, il dit, Moïse, viens. Tu as peur du Dieu soleil. Mais moi, je suis le Dieu des dieux. Si soleil est Dieu, c'est que lune est Dieu. C'est ça? Déesse. Hein? C'est que les étoiles sont quoi? Mais c'est moi qui ai créé tout ça. Bon, voici. Je te fais Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire, je mets la domination sur Pharaon. C'est à partir de cet instant que Moïse a commencé à croire en l'affaire de Dieu. Amen. Et il est parti maintenant. C'est pour te dire, si le Seigneur t'a choisi, ce n'est pas en vain. Et que selon l'image que le frère a pris, les épreuves là, pour ta gloire, ne se trouvent pas derrière toi. Tu n'as pas compris, hein? Dieu dit, voilà l'argent là-bas. Marche, tu vas le prendre. Toi, tu regardes là-bas hier où tu jouais loto. Tu jouais PMU. Où c'est vrai, tu as travaillé durement pour avoir ton argent. Mais l'esprit qui te guidait a fait perdre cet argent-là. Et puis tu dis, est-ce que je peux arriver là-bas?
Mais c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a dit d'aller prendre. Il dit, va. Voici ce que je t'ai réservé. Mais tu vas en regardant comme ça. Mais au finish, tu vas dépasser. Et quand tu dépasses, c'est celui qui est derrière qui va venir prendre. Dieu dit, tu es Pierre. C'est pas encore entré. Dieu dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, il bâtit son église. Et voici ce qui est intéressant. Les portes du séjour des morts ne vont pas dominer sur cette pierre. Mon ami, pourquoi tu vois encore Marie de nuit? Ça, c'est ami avec eux à la fin. Bon, mon ami sans eux, pourquoi tu vois femme de nuit? Pourquoi tu as de mauvais rêves? Ça, ce ne sont pas des épreuves. Parce que, il dit, qu'est-ce qui fait la guerre à notre âme? C'est notre convoitise. On te dit, il ne faut pas prendre portable. Tu as pris portable. Regardez, on paye même pour télécharger des musiques. Hein. Mais ce qu'on t'envoie gratuitement, c'est quoi? C'est porno, là. Ça dit, le diable est tellement subtil. Tu as pris portable. Tu ne payes pas passe. Tu entends Cléon? Message. Tu regardes, tu ouvres là. Voilà, fesse là. Avec string. Tu effaces. Mais quand toi, tu vois ça, tu n'effaces pas. Et puis tu... On dit quoi? Non, non, pas télécharger. Ça dit, tu affectionnes ça. Au point où toi-même, tu te trémousses. La nuit, tu vas avoir... La femme, elle va venir. Mari de nuit. Femme de nuit, c'est nous-mêmes, on évite ça. Moi, je sais, quand j'étais plus jeune, tu regardes les films, tu regardes porno, tu regardes les femmes, et puis on est assis, quand les filles passent, on fait pss, pss, pss. De toute façon, tu la vois, tu es en train de fantasmer, là. La nuit, tu vas bien fantasmer, et puis tu auras la preuve dans ton caleçon. Il n'y a pas des garçons. Mais la femme aussi aura la preuve. Parce qu'elles ont ces relations jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à ce qu'elles soient en extase. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Si tu acceptes que tu es la pierre sur laquelle Jésus veut bâtir aujourd'hui son église, Jésus veut continuer à annoncer son évangile, ces choses-là te quittent. Remarquez, il y a plein, on a fait délivrance. Moi, j'étais dans une mission, je vais taire son nom. On faisait ce qu'on appelle les grâces. Amen. J'ai avancé jusqu'à la cinquième grâce. On doit sortir. Il dit, gêne de là-bas là. Non, ça peut tuer. Quand tu gênes que tu es au calme là, c'est bon. Mais matin, 4 heures, on vous réveille. Avant ça, à minuit, tu as taillé. Hein? Tu tailles les démons. On croyait tellement la chose que matin même, quand tu mets l'eau sur ton bras pour laver ton visage, ton bras n'arrive plus ici. Tellement tu as travaillé, tu as taillé les démons. Ça dit, c'est plus que si tu as fait une salle de gymnastique. Et puis à 4 heures, on te réveille. Entre 4 heures et 6 heures, on dit, il faut prier pour ta nation. Moi, je suis rentré dans l'église pour mes problèmes. Je suis fatigué, mon bagage est sur ma tête. Bagage de la nation, c'est pour qui? C'est pour le président qui est là. Ce n'est pas mon bagage. Tu vas prier pour... Parce que ce couple de serviteurs là, ils avaient leur ration à la présidence. Donc, il fallait que le président entende qu'on prie pour lui. De 4 heures à 6 heures. Quand tu finis ça, et puis 9 heures va arriver, le palais est devenu sec. Salive qui doit sortir. Là. Tu ne peux pas cracher ça. Tu as oublié de faire. Parce que c'est devenu pâteux. On dit, tu sais, il ne faut pas que tu vas avaler. Mais là-bas, ils ont payé l'eau. Hein. La seule chose que tu pouvais faire, c'est de te mettre sous le robinet. Tu peux faire une heure. Ton corps est rafraîchi. Mais quand tu rentres vendredi, samedi, dimanche, logiquement, on sort vers 16 heures. Vous savez, la première des choses que je commandais, hein? Grosse bière. En temps, on m'a délivré de la boisson. Hein? J'ai dit, Abiba,
C'était ma fille qui me servait à la maison. Pardon, faut prendre, va chez Alice, va prendre deux droubas, tu mets en haut là-bas. Pareil. Si elle vient que ce n'est pas glacé, tu as problème avec moi. Deux, ça c'est pour couper les jeunes. Alléluia. On était dans des jeux futiles. Dans des jeux futiles. Et quand j'ai fini les deux là, comme Alice connaissait ma fille, donc si c'est fini, ça va chercher à mettre dans chez elle maintenant. J'ai bu deux à la maison, vous pouvez me voir boire trois et puis on va parler sur moi. Quand j'ai fini les deux là, je suis un peu, il m'a marché un peu. Je suis chez Alice. Mais aujourd'hui, par le nom de celui que je suis en train de prêcher ce soir, je ne suis plus dans ces choses. Amen. Je n'ai pas dit je ne bois plus. Il ne faut pas, ça va te scandaliser. Moi, je bois mon vin quand je suis en train de manger. Mais je ne m'assois plus dans ma quille. Parce que tu as dit non, le pasteur a dit il ne boit pas, mais je suis parti chez le pasteur David là-bas. Je l'ai vu. Tous les dimanches, quand tu manges là, ça est là. Donc, il ne faut pas, ça être ton scandale. Tu as dit, pasteur a menti, et puis le Seigneur va te frapper pour rien. Je n'ai pas menti. Je bois. Je bois le vin à table. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et je voulais te dire, pasteur dit, on est l'église de Christ, on doit aller prêcher. C'est ça, non? On est évangéliste. Pardon. Pour te laisser conduire par le Saint-Esprit. Acte 16, verset 6. Paul, dans son zèle, il voulait aller où ça? En Asie. Le Saint-Esprit l'en a empêché. Acte 16, verset 6. Le même Paul, sa première lettre qu'il écrit aux Romains. Romains chapitre 1, verset 16. Il dit, j'ai désiré toujours venir à Rome pour vous rencontrer. Mais toujours, j'ai été empêché. Paul était le principal conducteur quand le Seigneur l'a appelé. Il n'était pas dans l'équipe de quelqu'un. Il avait une équipe. Mais qui l'a empêché? Le Saint-Esprit. Il faut retourner derrière ton ancien gars pour dire, tu vas l'évangéliser. Pardon, je ne t'ai pas envoyé. Parce que ce qui va se passer là-bas, là, toi-même, tu sais. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Quand il va finir, il va te botter. Alléluia. Quand il finit, il n'a qu'à te botter. Au nom de Jésus. C'est toi qui as mal interprété la parole. Ce n'est pas moi qui ai mal interprété. Ce n'est pas sur tout le monde la gloire du Seigneur intervient comme ça. Comme mon ami et frère l'a dit. Vous aussi. Joli garçon comme ça, vous faites quoi dans ici, là? Il l'a attaché, hein? C'est-à-dire, le Seigneur résout de t'enlever dans quelque chose. Où tu passes toujours, tu as soulevé ton petit verre. Bah, quelqu'un ne te connaît pas, et puis dit, vous aussi, joli garçon, vous faites quoi avec ça? Alléluia. Donc, si tu vas là, tu ne vas pas arriver chez ton gars, quelqu'un va te dire, hé, retourne chez toi. Toi, tu aimes trop ça. Alors que tu ne le connais pas. Jolie femme, il faut attendre ton mari. Alléluia. Et pour que nous fassions la mission de Christ, il nous a oint. Il dit, Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir. Après t'avoir consacré pour son œuvre, il te donne quoi? Le pouvoir. Pardon. Ne redonne pas ce pouvoir-là à Satan. Sinon, normalement, nous sommes victorieux du monde. Alléluia. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher quoi? Sur les serpents et sur les scorpions. Quand tu es la pierre de Christ, quand tu es l'église de Christ, Dieu te donne le pouvoir de marcher sur la sirène. Tu donnes le pouvoir de marcher
sur l'ivrognerie. Je donne le pouvoir de marcher et de dominer les œuvres de la sorcellerie. Oui, c'est ce qu'il nous a fait. Et il dit quoi? Dans 1 Jean 4, verset 4. Il dit, vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous, celui qui était en Pierre, est plus grand que celui qui était dans le Sanhédrin. Alléluia. Les apôtres prêchaient, ils n'ont jamais dit, ne respectez pas le Sanhédrin. Mais le Sanhédrin s'est ligué contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux. Or, dans les apôtres, il y avait quelqu'un en lui, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de méchanceté. En lui, il n'y a aucune homme de variation. Et cet homme-là, c'est lui, quand il envoie, il te soutient. C'est pour ça qu'il a dit, je suis celui qui suis. Alléluia. Celui qui est là, il est avec toi. Celui qui est, il est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Il te donne le pouvoir de dominer sur Satan, mais il te donne le pouvoir d'annoncer sa parole. Mais il y a un problème. C'est notre foi. Alléluia. Beaucoup crient « Amen ». Beaucoup ne répondent pas à « Amen ». Pourquoi? Parce que la parole qu'on leur donne, pas parce qu'ils ne comprennent pas, ils comprennent, mais ils ne croient pas. Sinon, si tu acceptes que tu as le pouvoir sur Satan, ce soir même, lorsque tu dis, après avoir fermé toutes les portes ici, et j'espère que tu n'as pas encore ouvert d'autres portes, mais quand tu dis merci au Seigneur, parce que ta journée a été une journée pleine de sa grâce et que tu vas dormir ce soir et les autres jours, tu ne verras plus la sirène des eaux. Ce soir, les autres jours, tu ne verras plus le mari de nuit. Tu ne verras plus les bœufs noirs. Tu ne verras plus ton grand-père. Celui que tu vois et puis tu as peur. Alléluia. Christ, il nous fait cette grâce-là. Regardez, j'ai dit, il nous fait cette grâce parce que ce n'est pas mérité. Il disait en Exode 20, il punit l'iniquité des pères de la première jusqu'à la quatrième génération. Alléluia. Mais dans Ézéchiel, il dit, on ne dira plus ce proverbe en Israël, que les pères ont mangé le fruit vert. C'est-à-dire, le péché des pères ne retombera plus sur les enfants. Sinon, moi, je ne pouvais jamais tenir le micro pour parler de Christ. Tu sais pourquoi? Mon grand-père était le plus grand prêtre du fétiche que les balais ont pris chez les Yakuba. On appelle ça Do. Là, tu connais, non? Le jour où il a rendu l'âme là, comme son âme était en connexion avec cet esprit, le fétiche a crié en brousse. En plein 14 heures, toutes les femmes ont disparu. Femme ne voit pas ça. Mais aujourd'hui, parce que j'ai fait mienne la parole, une chose est d'être appelé, l'autre est d'accepter l'appel. Alléluia. Aujourd'hui, la pierre que mon grand-père adorait est encore devant la maison. Ça dit, il y a un méchant qui est à la maison. Une fois, je suis parti au village, c'était au décès de mon père. Il a pris ça, je suis allé jeter au dépotoir. Je rêvais, la pierre est là. Il dit non. Si les personnes pensent que c'est le physique là qui contrôle la chose, comme eux-mêmes ne peuvent pas faire des libations dessus, et que moi aussi je ne ferai jamais des libations dessus, c'est une pierre ordinaire dans la cour. Et c'est comme ça que je l'ai considérée. Et elle est devenue une pierre ordinaire dans la cour. Le jour où j'allais bâtir ma maison, moi je prends ça et m'en jeter, et puis je suis là-bas avec ma nouvelle famille. Alléluia. Mais c'est parce que la maison, la cour, je la partage avec des gens. Et quand je ne suis pas là, ils viennent déposer ce que moi je jette. Mais le temps n'est pas loin. Alléluia. Et comme je disais, notre problème, c'est notre foi. Il dit, la victoire qui triomphe du monde là, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire,
L'épreuve qui est devant moi, que moi je traverse pour avancer, cette épreuve qui sera devant toi, si toi tu ne crois pas, tu ne vas pas avancer. Parce que, non, le pasteur était dans le coma, il est sorti. Non, le pasteur Paul même là, lui-même avant. Mais toi, ce qui est devant toi, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu crois que Jésus peut te faire avancer? Oui, tu vas avancer. Est-ce que tu crois que Jésus a changé ton identité? Oui, toi aussi commence à changer ton identité à partir de ton mental. Ne fais plus ce que tu faisais, sinon tu retournes à ta vomissure et tu vas requérir ton ancienne nature. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va récapituler. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu 16, c'est ça? Il dit au verset 18. Matthieu 16, verset 18. On est en train de conclure. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je t'explique, les portes du séjour des morts, les œuvres de Satan ne vont pas te dominer. Amen. Luc 10, 19. Luc 10, verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et, monsieur, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Matthieu 21, verset 44. Vous allez voir la concordance. Il dit, tu es Pierre. Amen. Et sur cette pierre, il va bâtir son église, non? Il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur Satan et de dominer sur Satan. Amen. Maintenant, voilà ce qu'il dit. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Amen. Il fait de toi Pierre. Il fait de toi son église. Il te donne le pouvoir de dominer. Maintenant, si quelqu'un s'attaque à toi, comme il l'a dit dans 1 Corinthiens 3, 16, tu es le temple de Dieu. Celui qui s'attaque à toi, il s'attaque à lui. Il dit, celui qui va tomber sur toi, qui va résoudre de t'attaquer, il sera brisé. Maintenant, comme il t'a donné le pouvoir de lier et de délier, celui que tu vas lier, il sera définitivement lié. Celui que tu vas délier, il sera délié. Bien-aimé, je rejoins encore le pasteur. Ta bouche est un instrument précieux. La foi qui accompagne ta parole est un instrument précieux. Il faut utiliser ça pour bénir et non pour maudire. Parce que ce que tu vas dire, ça va s'accomplir. Pardon, même dans l'amusement, ne parle pas mal. Même dans l'amusement. Parce que ta bouche est un instrument de bénédiction, mais c'est aussi une arme de destruction. Si vous voyez le chrétien, le vrai, le mal qu'il subit, il fléchit les genoux et puis prie pour toi. Mon ami, la Bible dit, quand tu pries pour ceux qui te persécutent, tu ne dis pas au Seigneur de les tuer. Tu dis au Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme ce que Jésus a dit. C'est presque que tu as déposé sur leur tête. C'est pourquoi, sois prompt à pardonner. Dans la douleur, tais-toi. Regardez. Jésus a passé tout son temps à prêcher, non? 3 ans. Amen. Mais à la fin de ses jours, il a dit quoi? Il était pendu depuis la 6e heure. C'est à la 9e heure qu'il a rendu l'esprit. C'est ça? C'est ça, non? Mais il a dit quoi?
n'a jamais dit je n'ai rien fait, n'a jamais dit je suis juste, n'a jamais dit que mon sang retombe sur vous. Ça, c'est eux-mêmes qui ont prononcé sur le souverain sacrificateur. Amen. Mais Jésus était sur le bois. Les seules paroles qu'il a prononcées, ça ne peut pas faire une minute. Pendant 3 heures de souffrance, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a la paix au Proche-Orient? Est-ce qu'il y a la paix là-bas? Je t'ai dit, au lieu de maudire celui qui te persécute, il faut prier pour lui. C'est le seul piège que tu peux lui tendre. Alléluia. Et on va clôturer. Amen. On a dit que notre année est une année de quoi? D'espérance et de gloire. Aujourd'hui, il te dit que tu es son rocher. Il te dit qu'il rentre en toi pour dominer et détruire les œuvres de Satan. Alléluia. Le seul comportement que tu dois avoir dans l'épreuve. Alléluia. Ou bien même dans la joie, c'est tous les jours, de rendre grâce à Dieu. 2 Corinthiens 2, verset 14. Il dit, rendez toujours grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vous fait toujours triompher. Tu vas triompher de l'épreuve dans laquelle tu te trouves si tu rends grâce à Dieu. Tu vas triompher si tu gardes le silence. Tes seules paroles doivent rendre grâce à Dieu. Je vais vous raconter une histoire pour terminer. Voici quelqu'un qui reçoit par correspondance un grand marché. Amen. Et après avoir échangé, jusqu'à aujourd'hui, grâce à Internet, on travaille à distance. Les gens lui ont dit, bon, on te donne ce marché. Il est comme à Abidjan. Non, il est comme à Bouaké ou à Daloa. Il doit venir à la capitale pour signer son contrat. Il a pris un moment de jeûne. Il a prié la veille. Il a prié matin. Il a prêté sa voiture. La veille, il a prêté sa voiture. Révision, tout. Il prend la route matin après avoir prié. Amen. Et il avait au départ le temps. Donc il roulait normalement. Il ne roulait pas comme moi. Moi, je roule par objectif. Ça dit, tu me dis, on va à Korogo aujourd'hui. Hein? Abidjan-Korogo, c'est 600 km. Logiquement, si je quitte à 6 heures, à midi, je dois être là-bas. Sinon, à 11 heures. Si ma voiture est bonne, je suis parti. Mais si elle n'est pas bonne là, je prends mon temps. Ça vous dit que dans une vieille voiture, je vais moins vite. Alléluia. Donc, monsieur roule tranquillement. Arrivé en pleine route, il fait une crevaison. Alors qu'il avait révisé sa voiture, il descend, il regarde, ça peut arriver. Il change son pneu, tout seul. Imaginez, il partait à un rendez-vous d'affaires, bien habillé. Il finit, il a perdu du temps. Il commence à accélérer. À 100 km, il fait encore une deuxième crevaison. Là où il se trouve, il n'a pas de réseau. Et il a commencé à maudire Dieu. Amen. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne. Et tu rends compte que lui, son pneu s'est coupé, aller avec lui. Parce qu'on n'a qu'un seul pneu s'est coupé dans la voiture. Lui venait de faire deuxième crevaison, donc il ne peut plus changer. La personne l'aide à changer son pneu. Et il se fait tard. L'heure du rendez-vous est passée. Donc, il retourne dans la ville à côté pour aller dormir. Parce que, juste après, les policiers passent, au moins ils voulaient partir, les policiers passent pour lui dire non, la voie est barrée. Là, malédiction n'est pas malédiction, murmure n'est pas murmure. Il maudit Dieu et il rentre.
Quand il arrive dans la ville, il trouve un restaurant. Il va se restaurer. Et comme la route était fermée, tous ceux qui devaient aller comme à Abidjan, arrivés à Sikensi, on les a bloqués. Non, pas Sikensi, Elibou. On les bloque. Donc, le restaurant de Elibou, là, qui est là, même si ce n'est pas bon, ça va pas que tout le monde se va manger. Il se retrouve là où il va s'asseoir. Il trouve une place, il s'excuse, les gens lui font la place. Il s'assoit et il commande son manger. Mais ceux qui étaient à sa table, ils disent, mais l'étranger, tu viens d'où toi? Non, moi je ne comprends pas. On a un Dieu, on dit les fidèles. Moi, je ne peux pas comprendre. La voiture, là, j'ai fait la révision. J'ai changé les pneus. Mais en venant, j'ai fait 2 crevaisons. Il dit, mais tu partais où? Non, je partais à Abidjan. Et c'était pourquoi? Non, je partais dans telle entreprise pour un entretien, pour une affaire. Les gens se regardent. Les 5 autres personnes qui étaient à la table, là, se regardent. Il dit, mais certainement, vous avez de la veine, vous. Il dit, mais et pourquoi? Il dit, nous aussi, on partait là-bas, et certainement, c'est toi qu'on partait rencontrer. Mais notre patron, le PDG de l'entreprise, nous a appelés pour nous dire, il y a un braquage. Et de rester là où nous sommes, quand la situation va s'améliorer, vous allez venir. Et depuis, nous sommes, le DG ne nous a pas encore appelés. Il dit, oui, moi aussi, j'ai vu la police. Quand j'ai fini de m'aider, il raconte son histoire. Je voulais partir, la police m'a dit non. Il dit, mais bénis ton Dieu. Parce qu'il n'a pas voulu que tu tombes dans ce braquage. Le monsieur est sorti, la nourriture, il n'a pas pu manger. Il lève la tête, il voit la première église, il rentre là-bas, il s'en va pleurer. Je veux dire, ton incapacité d'aujourd'hui, ne doit pas te permettre de murmurer contre Dieu. Rends grâce à Dieu parce que quand il sera pleinement en toi, il va te rendre capable d'avancer. Aujourd'hui, tu n'as pas l'argent. Bien-aimé, rends grâce à Dieu. L'argent allait te perdre sans l'Esprit de Dieu. Tu as reçu son Esprit. Maintenant, il t'enseigne, il te prépare. Tous les enseignements sont des formations. Il te prépare à la gestion de l'argent qu'il va te donner. Ce n'est pas la peine, bien-aimé, de trouver une occasion quelconque, bonne ou mauvaise, pour maudire Dieu. L'Américaine, j'ai béni. Rendez toujours grâce à Dieu parce qu'il nous fait toujours triompher. De la même façon, Pierre a triomphé de toutes les épreuves. L'Église t'a trouvé aujourd'hui. Tu dois triompher pour rentrer dans ta gloire. Année d'espérance et de gloire. Mon ami, sans épreuve, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ton espérance sera éprouvée. Mais laisse-moi te donner cette bonne nouvelle. L'espérance ne trompe pas. Parce que Dieu a répandu dans nos cœurs son amour. C'est pour ça qu'il dit dans un passage, c'est 1 Pierre 2, il dit, pour vous qui avez la foi, non, faut pas noter, pour vous qui avez la foi, je prie que la grâce et la paix vous soient données. La grâce, c'est quoi? C'est la capacité que Dieu met en toi. Maintenant, tu dois avoir la tranquillité de son esprit pour apprécier les choses de Dieu et avancer avec lui. Sur ce, que le Seigneur nous maintienne dans la bénédiction. Vous voulez me bénir? Merci, tu es béni. Alléluia. On va se tenir debout. Tu es béni, servant de Dieu. Tu es béni. Ah, d'accord. Tu es béni. On va se tenir debout, on va prier.
Merci, maman. Tu as béni. Tu as béni la sœur. Tu as béni, frère. Tu as béni. Reste là, frère. Tu as béni. Tu as béni. Je vais te dire une chose. Ce qui devait contribuer à ta joie, à ta paix, Jésus ne va jamais prendre ça. Regarde devant toi. Je suis passé là. Mon premier, c'était un enfant qui avait déjà un nom avant qu'il ne soit conçu. Il s'appelait Jacob. Il est resté à l'hôpital. Je n'ai pas eu le temps de m'attacher à lui. Tu comprends? Mais j'ai rendu grâce à Dieu. Petit frère de Jacob, c'est venu d'eux. Que ce que le Seigneur a fait pour moi, qu'il le fasse pour toi. Il sèche tes larmes. Au nom de Jésus-Christ. Va. Va en paix, serviteur de l'Éternel. Tu as béni mon frère. Tu as béni maman. Le frère traverse de terribles moments. Mais je sais une chose. Le Seigneur va se révéler à lui. Le Seigneur va le visiter. Il serait resté à la maison à cause de ce qu'il traverse. Mais il est venu. La parole, l'esprit et la vie qui est dans cette parole de ce jour s'attache à lui, s'attache à vous. Au nom de... Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous sommes l'Église de Christ. Et nous sommes durs comme le roc. Jésus nous a donné le pouvoir. Il nous dit, celui qui s'attaque à nous sera brisé. Celui contre qui nous allons nous élever parce qu'on n'a pas pu digérer. Mais je te conseille, pardon, il faut digérer. Parce que Dieu peut passer par ton enfant pour t'éprouver. Dieu peut passer par ta soeur pour t'éprouver. Si tu as prononcé des paroles, tu as détruit leur vie. Soyons comme Christ à la croix. Ne parlons pas. Il dit, il nous donne le pouvoir. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, tu acceptes d'être son église aujourd'hui. Comme Pierre, comme Paul, ils ont accepté. Et le Seigneur a fait son œuvre avec eux. Ô Père, je voulais te dire merci. Qui suis-je pour que tu te révèles à moi ce matin? Qui suis-je pour parler à ton peuple ce matin? Je voulais te dire merci pour cette grâce que tu m'as fait en ce jour. Voici tes enfants, des pierres vivantes en qui tu mets ta capacité et pour qui tu as pris ce décret divin. Quiconque se lèvera contre eux sera brisé. Père, que cette parole trouve son accomplissement dans leur vie. Tu as dit, ce qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Oh Père, tu nous as donné cette foi de conversion. Nous te disons merci. Donne-nous ce don de foi afin de vivre la foi agissante. Merci grand Dieu, merci grand Esprit. Tu es bon. Merci papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur.